Oh non. Regardez ça. Qu'est-ce que je vais faire d'eux? Tiens-toi droit, Murray. On ne conduit pas du bétail. Et ne reste pas aussi près des garçons, Steph. Tu vas prendre leurs mauvaises habitudes. C'est parfait, Véronica. Contrôle-le bien. S'il vous plaît, les garçons, calmez-vous. Colonel, qu'est-ce que tu fais en tenue? Carole, tu vas prendre toutes tes affaires et venir avec moi le plus rapidement possible. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dépêchons, mademoiselle Hanson. Redéployer? Mon régiment et deux autres. On doit partir en service avant la fin de la semaine. Pour où? C'est secret, je n'ai pas le droit de te le dire. Disons juste que ça va chauffer. Papa, je veux pas que t'y ailles. Et comme ça va durer 7 mois... Quoi? Carole, je sais que tu aimes bien cet endroit, mais j'ai vraiment pas le choix. J'ai appelé tante Penny. Pour habiter chez nous? Elle a une chambre d'amis chez elle. Mais non! C'est au moins à 500 kilomètres. Tu vas habiter chez elle. Et ce n'est pas négociable. Oncle Roy. Tu peux repartir maintenant. Rappelle-toi, si ça t'emballe pas, tu peux toujours jouer au foot. Au foot? Mais tu me prends pour qui? J'en ai rien à faire des jeux de ballon. Je veux partir dans la nature au hasard en balade avec de vrais animaux. Pense à porter un casque, Simon. Arrête de t'inquiéter, je sais ce que je fais. Véronica, avec douceur. Raccourcis tes rêves, Murray, tu n'es pas en promenade. Carole, raconte. Qu'est-ce qui se passe? On n'avance pas en rang par deux, Lisa, mais en file indienne. Carole, tu dois communiquer avec ton cheval. Carole! Carole, reviens tout de suite! Carole, reviens! Oh, c'est pas vrai. Laissez-moi faire, mademoiselle, je m'en occupe. Mademoiselle, on peut galoper dans les champs? Non! Il n'en est pas question! Te présenter notre nouvel élève, Simon Atherton. Bonjour Simon, tout va bien? Bonjour Max.
bien ce que je pensais. Ça va avec l'offre complète. La quoi ? Je ne veux pas être mal poli, mais il y a combien de temps que vous n'avez pas actualisé votre site ? Je suppose... J'en sais rien du tout. Max, 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 vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne vous coûtera rien. Et Simon, tu ne veux pas d'abord faire un tour à cheval ? Vous parlez de quoi ? Cross-country, jumping, dressage ? T'as de l'expérience ? Je veux pas en faire trop, mais le cheval, c'est mon dada. Chaque chose en son temps. D'accord, chaque chose en son temps. Un moniteur t'évaluera et définira ton niveau. Max, dis-nous quel cheval est disponible. Voyons ça. Oui, j'ai Noisette Sauvage. Oh, Noisette Sauvage, c'est parfait. Simon, tu veux aider Jack à le sceller, s'il te plaît ? Je vais revenir. Bien. Arrête-toi, s'il te plaît. Pas y aller. Vite, il y a quelqu'un qui arrive. Oh. Dépêche-toi, ils vont voir. Alors, il paraît que t'as déjà monté. Ah oui, un peu par-ci, un peu par-là. Il est un peu grand. Oh, c'est un bébé, n'est-ce pas, sauvage ? Ça va ? Oui, pas de souci. Je vérifie juste l'état de la bête. C'est bien. C'est très bien. Excellent, en fait. Merci. Qu'est-ce que c'est ? Doucement ! On devrait peut-être jeter un coup d'œil ? Non, plus tard. Simon, je vais t'aider. Une seconde, je ne suis pas habillée correctement. J'ai trouvé un nom qui lui irait bien. Problème. Tout à fait lui. Faut absolument lui trouver une autre cachette. Carole, dis-nous ce qui se passe. Penny vit dans le nord, dans une ville. Il fait froid et gris. Elle habite au troisième étage. Je connais personne dans l'immeuble. Et il n'accepte pas les animaux. Encore moins les chevaux. Carole, il faut pas être comme ça. Il faut que j'y aille. Vous savez ce que ça veut dire pour vous? C'est hors de question. On va s'arranger. Bien sûr qu'on va le faire. Vous connaissez mon père. Il ne changera pas d'avis. On va le forcer. Tu n'iras nulle part ailleurs. Tu peux habiter chez moi. Oui, si tu veux. Mais notre maison est plus grande. Oui, mais vous êtes plus nombreux. Je demanderai à mes parents quand ils reviendront. Je demanderai à ma mère ce soir. Comme si ça t'intéressait. Il paraît qu'elle va habiter chez Steph. Ah oui ? Qui t'a raconté ça ? Ça serait naturel. Elles sont copines depuis des années. Et tu connais Steph, elle a toujours ce qu'elle veut. C'est bizarre pour Carole. On a l'impression que partir en balade, pour elle, ça veut dire adieu les copines. Je vais aller voir ailleurs si vous y êtes. Ha ha. Je sais que t'es un peu fâchée. J'ai parlé à Lisa. Elle dit que sa mère accepte que Carole habite chez eux. Elles sont super copines. Elles veulent toujours être ensemble. Je parie que Lisa est comme sa mère.
Elle obtient toujours ce qu'elle veut. C'est triste d'apprendre que tu vas partir. Qu'est-ce que tu veux, Véronica? Dans des périodes comme ça, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. On peut essayer. Écoute, je suis sûre que tu prendras la bonne décision. Steph et Lisa ne veulent pas te perdre. Cela dit, si tu restais par ici, l'une d'elles serait forcément déçue. Va te faire voir, Véronica. Occupe-toi de ton cheval. Christy, quel dommage que tu ne sois pas là. Ça pourrait bien être la fin des salpestes. Jack? Oui, quoi? Bon, où est-il? Où est qui? Il faut respecter le programme. Le nouveau, celui que je cherche partout. J'ai comme l'impression qu'il fait tout pour nous éviter. Sans blague. À ce que je vois, on ne peut rien te cacher. Simon? Tu vas voir, c'est simple. On va mettre un lit contre le mur et ton bureau, on le mettra sous la fenêtre. Il n'y a pas assez de place. Bien sûr que si. Tu veux vraiment habiter ici? D'accord, c'est peut-être pas la plus belle chambre du coin. Passe-le-moi. Et ça va, là? Chad, Alex, allez jouer dehors. Ni la plus calme. Hé, hey, c'est génial. Mes parents sont tout le temps dehors. J'ai une liberté totale. Ouais, pour mettre la pagaille. Quelle pagaille? Pas de problème, il faudra pas longtemps pour tout ranger. Pour tout ranger quoi? Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est mes affaires. Ça va pas, mais qu'est-ce qu'elle a? Les garçons, vous connaissez le règlement. Pas de ballon dans le couloir. Alors arrêtez. Désolée. C'est carrément la guerre ici. Simon, est-ce que... Non, une seconde. C'est moi, qu'est-ce que vous me voulez? Simon, je suis ton professeur. Tu peux m'appeler Mademoiselle Amélia. Tu es en retard pour ton évaluation. Je veux que tu te prépares et que tu files dans la carrière immédiatement. Dépêche-toi. Non, je peux pas. Désolée. Je te demande pardon. Je viens de bavarder avec Max et j'ai pris sur moi de mettre à jour le système informatique du pain cru. Simon, je suis ton professeur. Je veux te voir sur un cheval tout de suite. Un cheval? Eh oui. Absolument. J'en ai très envie, mais si je ne remets pas ça en ligne, Max ne pourra rien enregistrer ni payer les salaires. 2 heures. Et pas d'excuses. C'est clair? Oui, madame. Bien. Maman, j'ai quelque chose à te demander. Comment elle trouve le temps de monter à cheval? Quoi? Elle pourrait. C'est ce que je voulais te demander. Non, maman. Je vais pas du tout te... Jamais. Au revoir, maman. À plus tard. Qu'est-ce qu'elle voulait? Rien. Jamais quoi, Lisa? Elle va t'appeler de toute manière. T'as qu'à lui dire qu'il n'est pas à vendre. Qui n'est pas à vendre? Bah, Starlight. Maman veut un nouveau poney pour Mélanie. Désolée, Carole. Pas question. Il y a quelqu'un qui porte ses bottes à l'intérieur? Pas moi. Oh, c'est écœurant. C'est ma sœur, Mélanie. Mélanie. Oh, qu'est-ce que
Il n'y a rien ici. Oh, comment tu peux rester là? C'est répugnant. Laisse ouvert, il faut que t'aères. Je sais pas ce que c'est, mais t'as intérêt à tout nettoyer avant le retour de maman. Je peux m'occuper de maman. Eh ben ça en a pas l'air. Ah ouais, qu'est-ce que t'en sais? Tes parents, tu les vois jamais? Lisa! Ça va, Carole. Je suis pas mal dans ma peau. Pas comme d'autres. Steph! En tout cas, je suis pas assez superficielle pour croire que je suis la meilleure copine de Carole simplement parce que je la connais depuis plus longtemps. Fais pas ton numéro, Lisa. Y a pas qu'un truc qui sent mauvais ici. T'obtiens toujours ce que tu veux, hein? Ça nous mènera nulle part. À qui la faute? Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il refuse. Oh, regarde-moi ça. Je l'ai eu direct. Bravo, Simon! Il n'est jamais venu pour sa leçon. Il n'avait manifestement pas le temps pour monter. Je me contrefiche qu'il monte ou non. C'est un génie. Difficile journée? Une journée de chien. Amélia, c'est vrai pour tout le monde. S'ils ne veulent pas être ici, pourquoi nous faire perdre notre temps comme ça? Je n'avais pas de problème avec mes élèves à Bryanwood. Simon? 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 Salut, oncle Roy. Salut. Alors, comment ça s'est passé? Le vent dans les cheveux, le cuir des rennes, le bruit des sabots, un régal. Bien. Alors, je te ramène demain. Oncle Roy, je suppose que ça coûte une fortune. J'ai pas envie d'y revenir. C'était notre accord, Simon. Le foot ou le cheval. Simon? Il faut t'éloigner de l'ordinateur à n'importe quel prix. Simon! Salut tout le monde. À la demande du public, et plus en forme que jamais, voilà le club du Grand Galop. On dirait que ça va pas bien. On va pas la laisser comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Allez sur scène! T'as loupé le début. Laisse-moi respirer, d'accord? Mais, madame la vedette, t'es minable. Elles veulent toutes les deux m'inviter. Et peu importe celle que je choisirai, je vais faire de la peine à l'autre. Alors il vaut peut-être mieux que je m'en aille. Je comprends, ma chérie. C'est pas facile de partir, de dire au revoir. Tu vas terriblement me manquer. Reviens très vite. Je suis très fier de toi. Tu es une petite fille très courageuse. Bien. Je crois qu'il vaut mieux que j'appelle Penny. Et je vais réserver ton billet. Thank you.
Dad, je t'ai déjà dit que je voulais pas... C'est Chad qui m'a laissé rentrer. Je te crois pas. Il n'y a pas plus bête qu'un frère. Il faut pas qu'on se sépare. T'as raison, on est un club. Il faut qu'on l'oblige à rester. Oui. Ça n'est que moi. On t'a pas caressé aujourd'hui. Demander à Madame Reck de s'occuper de toi. Parce que tu es fait pour vivre ici. Peu importe ton cavalier. Tu seras heureuse, c'est sûr. Et moi, je serai heureuse en voyant la vidéo que Steph m'enverra. Où est-elle? Ton père te cherche. Je me fiche de ce qu'il dit. On n'y retournera pas. Carole! Tu es sûre? Vous êtes avec moi? Oui ou non? Hello world, this is me. Life should be